savez ce que ça veut dire, protection de données personnelles? 99,99% des Tunisiens vous diront non, on ne sait pas ce que c'est. La présence de la société civile est assez imposante à différentes occasions. Les gens s'habituent à moi, ils savent très bien que je défends quand c'est défendable, que je dénonce quand c'est quelque chose qui est illégal. L'article 49 de la Constitution, que j'ai toujours considéré comme étant le pilier de la Constitution tunisienne, est l'article qui détermine quelles sont les limites qui peuvent être portées aux libertés des individus et leurs droits. Je suis convaincu que ces intervenants économiques sont très importants et qu'il faut les sensibiliser et travailler en commun pour pouvoir faire mieux appliquer la loi de 2004. Quelqu'un se rend compte qu'il a été espionné, entre guillemets, dans ses conversations téléphoniques, sur sa page Facebook, sur son site web, sur son blog, etc., etc. Et il entend dire que c'est l'A2T qu'il a fait, par exemple. Eh bien, il y a la justice. On ne protégera pas les droits des Tunisiens tout seul, c'est impossible. Je ne vais pas vous laisser le dernier mot.